thank you Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ouais, ce week-end de trois jours m'a fait du bien. Euh, J'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est une nouvelle guidance de lunaison, celle que j'affectionne par-dessus par tout. Et puis, euh, bah, je voulais commencer simplement par vous faire un gros bisou et vous dire merci pour tout, pour ma chaîne. Euh, voilà, cette chaîne elle vit grâce à vous. Merci d'y participer vraiment. Vous êtes des amours, vous êtes des chouchous. Voilà, je vous kiffe. Euh, je vais commencer évidemment par vous expliquer un petit peu en quoi joue cette pleine lune qui est. Ultra puissante, on continue hein, le manège des, des nouvelles lunes et des pleines lunes euh, assez puissantes là. Celle-là, c'est vraiment pas des moindres. Accrochez-vous, écoutez bien l'introduction. Hein. C'est pas pour faire plus de plus de vues ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est vrai que dans ce genre de guidance, il faut quand même écouter un petit peu au début. Écoutez, en tout cas, vous renseignez comme ça, vous saurez à quel point celle-ci, en tout cas, elle est particulièrement puissante. Et puis, si vous me connaissez pas, bienvenue. Un nouveau jeu. Le jeu, c'est de, de vous abonner. Vous <laughs> vous abonnez. Vous ne me connaissez pas, vous vous abonnez à ma chaîne. Euh, vous êtes déjà abonné, bah, vous pouvez liker. Voilà, hop, c'est le jeu, comme ça vous allez gagner. Euh, alors, cette pleine lune en scorpion, elle aura lieu quand elle aura, elle aura lieu ce vendredi le 5 mai 2023 à 19h34. On l'appelle aussi, alors ça c'est pour la petite histoire, pleine lune des fleurs. C'est vrai que là, moi je m'y connais moins bien, je m'y connais plus en astro. Donc je vais plutôt vous expliquer ce que c'est une pleine lune en scorpion et, et, et celle-ci en particulier. Euh, le scorpion, c'est un signe qui a comme but de vivre avec intensité, authenticité, de découvrir la vérité. Partant de ce principe-là, il y a une sorte d'intensité chez, chez ce signe, une intensité dans la nécessité de se transformer, dans la force de la transformation, c'est quand même un signe qui est relié à Pluton. Et Pluton est rétrograde, si je me, <laughs> si je me trompe pas en ce moment, je crois, donc ça, ça peut, c'est pas que ça pique, mais ça force, ça, ça force un peu à une introspection depuis quelques temps, là. Et pour le coup, cette pleine lune, elle arrive super, euh, super au beau moment, on va dire, euh, pour prendre conscience, mais d'une façon euh, assez puissante, assez forte, sur quoi Sur un passé. C'est une pleine lune qui joue sur le passé. Pourquoi elle joue sur le passé Parce que c'est une pleine lune qui va vous permettre de voir. Alors là, vraiment avec intensité. Euh, en, en gros, de voir quoi Ce qui doit rester dans votre vie, restera dans votre vie. Ce qui est juste pour vous. Restera pour vous. Par contre, ce qui n'est plus fait pour vous, ce qui n'est plus juste, ce qui n'est plus aligné, ce qui ne doit, voilà, ce qui est, ce qui est mort, ce qui doit partir, oust, ça partira. En gros, en gros, c'est un gros coup de ménage pour faire de la place. Et, et vous, et c'est surtout ça, là, comme on est quelques jours avant, euh, conscientisant un peu le côté comment accueillir le nouveau si j'ai pas fait de la place. Sur l'ancien. Alors, un conseil de la brebre de la Loloc, ne pas s'accrocher. Par exemple, là, il y en a peut-être certains, certaines qui disent oui, je sais que ce serait nécessaire de laisser partir ça, mais je veux pas. Vous accrochez pas, c'est tellement puissant que de toute façon, vaut mieux lâcher prise et ça se passera bien. C'est un nettoyage qui est super puissant. Euh, un autre conseil avec une pleine lune en scorpion comme ça. Il faut bien garder en tête ce que l'on veut, il faut être lucide sur ce qu'on veut et sur ce qu'on veut plus. C'est de la lucidité plus, 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 plus avec la pleine lune en scorpion. Euh, il peut y avoir aussi une dynamique d'énergie sexuelle assez puissante, hein, ça c'est un petit complément. Euh, et puis il ne faut pas oublier que le scorpion, euh, comme je vous disais, c'est un signe qui est lié à la transformation et à Pluton, mais c'est un signe d'eau, hein, le scorpion, c'est pas un signe de feu. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais si c'est un signe de feu, pas du tout. C'est un signe d'eau lié aux émotions, euh, aux émotions, à la recherche de la vérité sur ses émotions, à l'authenticité de ses émotions. En en gros, on enlève le voile, on enlève les voiles. Ça va être vachement compliqué pendant cette lunaison de faire semblant. Et, euh, et en fait, cette lune-là, si vous lui accordez de l'importance en lui disant merci à toi, pleine lune, en faisant une petite liste, hein, vous pouvez faire une liste, vous savez, pendant les pleines lunes, c'est une liste en général de ce qu'on veut voir sortir de notre vie. Euh, bah là, ça va être hyper puissant. En gros, laissez-vous aller à, à là où vous faites semblant et où vous savez au fond de vous, très, très intimement, que c'est quelque chose qui vous va plus il euh, y, a, y a sûrement là ces derniers temps moi je sais en, en, en consultation ben, je le place d'ailleurs, je fais des consultations privées si vous voulez, mais en consultation privée je le vois beaucoup, je le vois dans mon entourage je le vois pour moi, parce que moi je fais partie du même sac que vous, il y a quand même beaucoup de choses qui ont remué, et c'est pas pour rien hein, que Dieu, l'univers, les planètes, vous appelez ça comme vous voulez les énergies, ont remué certaines choses, parce qu'en fait elles les font remonter à la surface et la planète en scorpion hop, si vous la respectez bien elle va dégager tout ça donc ça va, aller, ça va être intéressant, là je vais vous faire choisir l'état dans 30 secondes, ça va être intéressant d'aller voir selon l'état ce que ça va euh, bah, faire partir de votre vie qui de toute façon n'avait plus sa place et du coup euh, laisser de la place à quelque chose de nouveau. Et ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre guidance, je me dis cette semaine, comme là euh, je le fais un peu en avance avant le 5 mai. Dites-moi en commentaire si ça vous dit. Là, je vais aller voir ce qui s'en va. Et peut-être que aux alentours, là, cette semaine, je ne sais pas quel jour, j'irai faire, mais qu'est-ce qui arrive avec euh, pas, pas avec la pleine lune, mais... Avec ce nettoyage, qu'est-ce qui arrivera après Ce serait pas mal aussi. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Si vous avez euh, déjà opté, hein, vous êtes toujours fan du 1, 2, 3, vous avez le timing en barre de description. Sinon, je vais vous faire sauter des petits dés. Il hein, n'y a pas de raison, ça, ça marche bien. Hop, il faut juste que je les prenne. Allez, hop, c'est parti. Ah, bah, il y en a un qui a sauté. Hop, C'est quoi C'est le bouquin. Ok, un bouquin ouvert. Hein. Mmh, J'aime bien. Alors, pour le 2, ce sera quoi Ah, oh, il n'a pas voulu venir pour le 2, ce sera la tour. OK. Et pour le choix numéro 3, nous aurons la flèche. <laughs> J'aime beaucoup. Alors, c'est des symboles super puissants, n'empêche. Hein. Euh, choix numéro 1, le livre ouvert. Choix numéro 2, la tour. Choix numéro 3, la flèche. Euh, le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du chat numéro 20, Vous qui avez opté pour le livre ouvert. Ouh là là, vous allez vraiment. J'adore quand il y a des symboles comme ça qui tombent, surtout en, en guidance de lunaison. Mais le livre, c'est euh, pour moi un petit peu la source de la connaissance. C'est euh, vous allez comprendre quelque chose avec le bouquin. Je l'ai senti direct. Vous allez comprendre quelque chose grâce à cette pleine lune. Il y a soit une vérité qui est mise à jour, mais je crois que c'est une plus grande compréhension interne. J'ai l'impression que c'est une compréhension profonde. C'est comme si, euh, et puis il y a aussi moi une notion que j'ai entendue. Vous allez clôturer un chapitre. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez clôturer un chapitre sur quelque chose qui que vous recherchez depuis longtemps, que vous voulez comprendre depuis longtemps. Il y a une compréhension. Et vous clôturez peut-être un chapitre, vous commencez un autre chapitre. Ce serait pas mal, hein, mais je le sens comme ça. Alors, à chaque, euh, à chaque groupe, j'ai mis quatre euh, cartes différentes. Donc, il y aura, euh, une lune, une planète, un astre, il y aura une maison astro, il y aura un signe astro, il y aura une carte supplémentaire. Et puis, vous, petit vénard, petit vénard, vous avez eu quatre cartes. J'en ai mis que trois pour les autres, mais vous, il y en a eu quatre qui sont tombées. Donc, on ira voir tout ça après, plus en détail. Et puis, à la fin, je pense que j'irai mettre des petites breloques, hein, euh, de toute façon, en complément. Alors, qu'est-ce que, en quoi cette pleine lune alors, qu'est-ce que va nettoyer cette pleine lune? en quoi ça va faire bouger les choses, quelque chose du passé, quelque chose à laquelle vous vous accrochez, on va aller voir ça, on a quoi, bam, bon, ok lune noire, euh, le potentiel, de dépassement, un mal pour un bien, ok, 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 la création, l'amour et les enfants, la maison 5, c'est la maison aussi de la joie, hein la maison 5 c'est la maison du lion, je m'arrête là parce que j'ai déjà un message qui est formidable, c'est peut-être que là, le mal pour le bien, vous savez, c'est peut-être quelque chose à l'heure actuelle, quand vous regardez la vidéo, vous vous dites ah non, mais... C'est un élément qui vous a empêché jusqu'à maintenant d'être vraiment euh, heureux et heureuse. D'être vraiment épanoui, d'être vraiment qui vous êtes. Il y a quelque chose là, vous, c'est quelque chose clairement, je pense, euh, un frein émotionnel, une peur, euh, un conditionnement, tout ce que vous voulez. Mais la ligne noire, alors là, elle terrasse les choses, c'est-à-dire qu'on va au plus profond. Elle va très très bien la lune noire avec la pleine lune en scorpion. On va tout au fond dans la compréhension de quelque chose qui jusqu'à maintenant nous empêchait d'être nous-mêmes et d'aimer comme on devait aimer. La maison 5, c'est une maison généreuse. C'est la, la maison des nouveaux projets. C'est là où on crée euh, un nouvel amour, euh, où on crée euh, des enfants, où on crée euh, quelque chose. C'est la maison de la créativité et de la création. C'est une maison qui est fortement chaleureuse parce qu'elle est reliée au soleil, parce qu'elle est reliée au lion. Et en fait, cette pleine lune, elle va vous faire... Euh, il y a de l'épanouissement. Vous allez franchement cette pleine lune, elle va vous empêcher, elle va, elle va vous enlever quelque chose qui vous bloquait euh, d'être vous-même. J'ai l'impression vraiment que c'est, euh, ça peut être aussi dans votre vie affective. Vie affective, c'est pas que vie sentimentale, ça peut être en famille, avec les amis, mais il y a quelque chose que vous allez comprendre euh, sur où est l'amour dans votre vie. C'est quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a à côté la trahison, oh là là, ouais, alors euh, vous, clairement, hein <laughs> je pense que je me trompe pas, mes amis du choix numéro un, ce qui vous bloquait jusqu'à maintenant, c'était cette fameuse blessure de la trahison, là, cette peur d'être trahi, cette peur d'être trompé, cette peur, ce besoin toujours de se justifier et, et en fait, finalement, de ne pas profiter de l'amour en général, parce que, moi, ce que je sens pour vous, mes amis du Chouinouin, ça va vraiment, vraiment vous aider. Hein. C'est que vous vous permettez pas l'amour dans votre vie. Vous vous mettez toujours des enjeux, vous voulez toujours prouver. Euh, Jusqu'à maintenant, en lien avec cette blessure de trahison qui peut revenir il à, à y a très, très longtemps. Hein, ça peut... De toute façon, la blessure de trahison, souvent, euh, elle réouvre des brèches dans notre vie personnelle d'adulte en amour. Mais elle est issue quand même de l'enfance en général, hein, ou de bien, bien, bien avant. Là, je vais pas remonter encore avant, mais en gros, ce qui vous bloquait, c'était cette peur qu'on vous mente, qu'on vous laisse, qu'on vous qu'on vous trahisse, que Vous voyez, toujours sur le qui vive. Et ça, ça vous permettait pas d'être épanoui dans les relations, euh, relations, euh, relations affectives. Je l'entends pour vous. Qu'est-ce qu'on a à côté? <coughs> Ok le Cancer protecteur sensible et maternel. Il y a plusieurs solutions. Soit vous êtes resté jusque là et c'est en lien avec quelqu'un du signe du Cancer ou vous êtes vous-même du signe du Cancer et c'est voilà c'est très très bon signe c'est une très belle synchronicité pour vous. Sinon le Cancer c'est la mère c'est l'enfance c'est relié aux racines c'est relié euh, ouais à la maman à l'origine du monde en gros c'est peut-être une sacrée grosse blessure qui s'en va que vous avez depuis très 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 longtemps. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, un petit yog vis-à-vis de la maman ou vis-à-vis -vis de quelque chose, une culpabilité qui faisait que vous ne pouviez pas vous permettre de... J'entends, c'est très joli, d'aimer... Alors ça, c'est très profond. D'aimer quelqu'un d'autre qu'elle ou que... Alors la maman, ça peut être vraiment aussi la famille, le nid. Hein. Ça reste, je préviens, une guidance générale sur YouTube. Hein. Mais il y avait quelque chose où vous ne vous permettiez pas d'être épanoui et heureux, heureuse en amour. Ça, c'est clair, c'est dans votre vie affective. Hein. Et là, ça va se débloquer. Vous avez pu vous sentir coupable d'aimer. Alors, je vais très loin, mais c'est ce que j'ai entendu. Euh, vous avez, vous avez pu avoir l'impression de trahir. Alors, votre maman, c'est vraiment très symbolique. Hein. C'est tout chi comme sujet, donc vous prenez, euh, vous prenez du recul, mais d'aller trahir, je sais pas, votre naissance, votre de là où vous venez euh, en aimant quelqu'un d'autre. Oh, c'est un truc de dingue. Je savais que je devais faire ce tirage aujourd'hui. Je le savais, je le savais, et c'est un truc de fou. Bon. Eh ben dis donc vous allez être heureux heureuse maintenant vous hein waouh vous allez être libéré en fait vous vous libérez d'une culpabilité d'une charge de vous savez ça c'est alors je sais hein, moi je suis pas euh, psychologue mais c'est c'est quelque chose qui me vient quand même hein il y a quelque chose c'est peut-être des voilà d'avance pour ceux qui sont thérapeutes et psychologues mais c'est un rouage qui va peut-être vous paraître simple mais il y a vraiment ce côté pour certaines personnes chez vous là qui me regardaient qui me regarde. Le côté je ne peux pas me permettre d'aimer parce que j'ai l'impression de trahir, trahir d'où je viens. Ou... Il y a peut-être un truc comme ça. Est-ce que vous n'avez pas été dans des relations... Euh... C'est cette paire de la trahison qui a guidé les choses et maintenant ça se nettoie. Vous allez voir, vous allez être heureux, heureuse, hein, je le sens pour vous. Alors, pourquoi il y a quatre cartes Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, On a <laughs> la loutre. <le rire> la loutre, c'est la joie. Hein. En, animal, en animal totem, c'est la joie, le valet de coupe. Ok, ouais. La sensibilité, vous êtes... Alors, le cancer, ça vous symbolise aussi vous. Euh, vous qui regardez, vous êtes des êtres sensibles. L'amour a une place hyper importante dans votre vie et peut-être que vous avez... Vous êtes pas permis permise de vraiment euh, aimer ou de vous laisser aimer comme vous êtes. C'est très très beau. Le valet de coupe c'est ça. Hein, ça peut être l'enfant intérieur. Valet de coupe ça peut être le redémarrage d'une vie sentimentale qui est beaucoup plus axée dans quelque chose qui bah vous êtes. Euh, je peux pas mieux dire que heureux heureuse ou épanoui. Qu'est-ce qu'on a d'autre <laughs> L'équilibre avec la tempérance. Regardez, c'est beau ça. Il y a des situations euh, émotionnelles qui vont s'équilibrer. Il y a des situations sentimentales et affectives qui vont s'équilibrer dans votre vie. Pourquoi Parce qu'il y a un nœud qui s'en va, qui vous empêchait d'assumer de l'amour de votre vie. Alors, il y en a peut-être certains, certaines qui connaissent déjà cette personne et c'était compliqué d'assumer cet amour et c'était quelque chose qui vous divisait plus que ça vous réunissait à l'intérieur de vous. J'entends ça. Euh, pour d'autres personnes, ça reste général, ça reste euh, voilà, ça reste général. Sur YouTube, c'est pas personnalisé. Je pense qu'il y a une guérison du cœur qui va vous permettre de vraiment maintenant, dans vos relations aux autres et dans vos relations amoureuses, d'être guidé par votre cœur et plus par, par vos peurs. C'est trop trop beau. On a quoi hmm, L'impératrice ou ouais, la maman quand même. Hein. Il y a un truc. Hein. L'impératrice, c'est pas que la maman, mais moi je le sens. Il y a l pas on va, on va dire que c'est pas votre maman ou la maternité en soi ou votre naissance ou votre enfance le le, blo le, le blocage c'est pas la personne mais c'est que jusqu'à maintenant c'est comme si euh, soit vous êtes une femme vous êtes maman et ça prenait les trois quarts de la place dans votre vie affective vous arriviez pas à, 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 à vibrer autrement. Avec une peur de se faire retrahir, j'entends. Soit vous êtes un homme et il y avait, il y a vraiment un schéma familial qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Euh, on va dire que c'est pas le blocage d'aimer fort 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 sa maman, mais il y avait une sorte de culpabilité qui, qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Alors pourquoi la quatrième carte Ça, c'est intéressant. <laughs> J'adore, ah, je suis trop contente pour vous. Bon bah ben, elle était nécessaire, je crois. Euh, ça y est, <laughs> grâce à cette pleine lune, vous allez pouvoir être libre d'aimer, comme vous êtes et qui vous voulez. Je pense qu'il y en a certains certaines vraiment 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 vous connaissez déjà la personne mais vous assumez pas cet amour et ça vous divise à l'intérieur là maintenant quand vous regardez cette pleine lune elle va venir vraiment venir vous vous, vous faire comprendre cette grille de lecture peut-être que ma guidance aussi à, vos, à mon petit niveau ça vous permettra de comprendre des mécanismes qui vont vous libérer aussi hein. en gros la phrase à comprendre c'est qu'il ne faut pas se sentir coupable d'aimer quelqu'un d'autre que symboliquement la maman ou Le papa, si vous voulez, ou voilà, vous vous mettez ce que vous voulez, c'est vous qui faites votre petit patouille. Vous avez pu vous sentir coupable et du coup vous allez vous sentir euh, libre d'aimer quelqu'un qui peut-être ne ressemble pas à vos racines tout simplement. Il y a quelque chose comme ça, libre d'aimer comme vous êtes, qui vous voulez, qui ne correspond peut-être pas à un schéma qui de toute façon vous enferme. Il est super psychologique, mais il est très très beau votre tirage. Waouh Eh ben dis donc, alors qu'est-ce qu'on a les cinq année du groupe numéro 1 nous avons du quoi? Alors, nous avons <laughs> nous avons du scorpion. Ça m'étonne pas. On est en pleine lune en scorpion. On a euh, du cancer qui est tombé. Ah, j'ai peut-être. Ah non, le scorpion, ouais. Alors, vous savez quoi? C'est tombé là. Je vais laisser les trucs comme ça. Aujourd'hui, je vais regarder sur les cartes. Sur la femme verte, on a le cancer à nouveau. Donc, la maman, symboliquement. Et on a le scorpion. On a un double scorpion. Hein donc, ça veut vraiment dire que. Euh, sur l'image de la maman, sur l'image de l'enfant, sur l'image de ce qu'on doit être et pas. On a le droit d'être ça. Sur la culpabilité, ça va s'enlever. Ça va enlever votre culpabilité d'aimer. Je sais pas si ça existe comme mot, mais je pense que vous comprenez. On a le chakra du cœur en plein milieu. Ça va faire un nettoyage express de votre chakra du cœur. Vous allez vous sentir, vous allez a, a, avoir envie d'aimer. C'est un truc de malade ce que je vous dis. On a quoi sur l'équilibre, la guérison et la tempérance On a la lettre C. On a euh, <laughs> l'enfant intérieur, le hocher qui sourit. Ça veut dire que votre enfant intérieur, il est content. Alors si vous connaissez déjà la personne vous pouvez savoir que votre petit enfant intérieur valide le ou la valide si vous connaissez pas encore cette personne par exemple je sais pas vous êtes euh, je sais pas bon <laughs> je sais pas si vous n'avez pas l'impression suite à cette guidance de connaître la personne dites-vous que là c'est bon c'est votre enfant intérieur qui va rencontrer quelqu'un à mon avis on a le signe du poisson et on a aussi le signe du scorpion euh, le, va le, le valet de coupe la petite loutre on a cette brique magnifique transparente c'est votre âme qui dit super tu as passé un step on va commencer une nouvelle étape tu t'es épuré d'une sorte de de blessure de karma qui fait que tu pas libre d'aimer qui tu voulais. C'est beau, j'aime beaucoup. Euh, la trahison, regardez le petit chat. Il y a un petit chat noir et il y a le petit chat blanc. Très symboliquement, la pureté, la liberté. Vous vous libérez de la blessure de trahison euh, qui était là depuis très longtemps et qui remonte à des racines. Il hein. y a des racines, peut-être la famille. On a la feuille d'automne qui nous suivait. <laughs> Il y a quelques temps, euh, en lien peut-être avec quelqu'un en. Alors, je sais, ça, c'est un petit rajout, mais maintenant, je, je, avec mes petites breloques, quand je vois une feuille d'automne ou de printemps, je donne les signes. En automne, on a quoi On a la balance, le scorpion et le sagittaire C'est peut-être en lien avec quelqu'un comme ça. Et c'est en lien avec quelqu'un qui vous couvait. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui était cou... trop. Vous êtes trop couvé depuis votre. Il y a quelque chose comme ça. Euh, sur la maison 5, on a le plaisir charnel. On a. Euh, vous allez Vous allez assumer, vous allez. Allez prendre le plaisir là où il est vous allez plus culpabiliser et on a la super transformation donc là on, on quitte son masque et on assume qui on est et qui on aime je pense que vous ça va peut-être vous aider à déclarer de l'amour si vous connaissez déjà la personne et que vous êtes sur un frein sur le frein à main ça va peut-être vous aider à à assumer de vouloir de l'amour dans votre vie ou le dire à quelqu'un que vous connaissez et en plus on a la petite pierre de lune donc là on a tous les voyants ouverts pour une belle libération du chakra du cœur en lien avec quelque chose qui vous culpabilisait depuis l'enfance, j'ai l'impression. Voilà mes petits chouchous du groupe numéro 1. Bah, dis donc, elle était puissante, votre guidance, hein. J'espère que j'ai pu vous aider. Euh, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, bien évidemment, à ma chaîne. Vous pouvez rejoindre ma communauté privée. Il y a abonner et à côté, il y a rejoindre. Et là, vous aurez un autre contenu qu'on ne voit pas sur le YouTube classique. Et puis, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée par mail, gmail.com. Je vous embrasse super fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour la tour. La tour, que ce soit sur ce dé dans le tarot... Dans n'importe quoi, la symbolique, elle est ouf. Euh, la tour, c'est que a vraiment, vous savez, la tour, c'est l'énergie venant de l'extérieur, dans le tarot, qui vient euh, sur une tour qui a, on a l'impression qu'elle, qu'elle a bien poussé. En fait, la tour, c'est Dieu, l'univers, vos guides qui viennent, braaah. <laughs> ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Qui viennent péter tout ce qui va pas, qui vous convient pas, qui pousse dans le mauvais sens, la mauvaise direction de vie en gros. Euh, la tour, euh, symboliquement, quand la foudre, s'abat sur la tour, les bases restent. C'est-à-dire que vous n'allez pas être euh, sacrifié pas du tout. Vos bases, qui vous êtes au fond de vous, profondément, ça reste, mais tout ce qui a été construit sur du faux, sur des choses qui vous correspondent pas, sur plutôt, euh, on va dire, bah, comment dire, des choses qu'on veut mais qui ne sont pas prévues pour nous, et bah bam, ça s'en va ok on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai expliqué aussi pour le choix numéro 1 c est, c est cet oracle-là que je kiffe, que vous voyez tout le temps maintenant. Je l'ai divisé en quatre parce qu'il y a quatre parties pour moi. Il y a un astre, une planète, une constellation, il y a une maison astro, euh, le signe, je sais plus où je l'ai mis, il y a un signe, et puis il y a euh, un complément. Et puis je suis allée chercher trois cartes du tarot pour compléter. J'irai mettre bien évidemment des breloques à la fin et c'est parti. Alors, en quoi cette pleine lune, elle va changer quelque chose dans votre vie? Le point de départ, ne chute. Oh, c'est excellent. Ah, j'adore, parce que c'est exactement ça. C'est ce que je viens de vous dire. Le point de départ, il reste, en fait. Hein. Le point de départ, c'est vous. C'est qui vous êtes. C'est votre énergie, votre vibration, votre vérité, votre authenticité. Elle va venir tout enlever, cette pleine lune. Je souris euh, gaiement, parce que c'est un très beau nettoyage. Elle vient enlever tout ce qui a été construit, euh, qui ne vous correspond pas. Euh, vous avez sûrement voulu plein de choses, et puis ça ne fonctionne pas, j'entends. Hein. Ben c'est que c'est pas pour vous mais ne vous inquiétez pas c'est qu'il y a autre chose qui est prévu pour vous en fait symboliquement et tant que cette tour on met des, des pierres dessus on essaye de la retenir même quand elle se casse un peu la gueule, on, on remet une pierre, on refait on un contrefort et tout et ça prend pas bah ben ça prend pas donc là on vient vous mettre les choses on vient vous libérer de l'espace pour ce qui est prévu pour vous. Cool alors qu'est ce qu'on a derrière? Le collectif, les apparences, les amis, la maison 11, celle du verso. Elle vient vous libérer parce que la maison 11, c'est une maison de libération euh, liée à, au verso qui est du coup un peu la liberté chérie. Hein. Euh, c'est en lien, je pense que vous avez peut-être fait votre vie en fonction le plus souvent de ce que souhaitait l'extérieur pour vous et pas ce que vous vouliez, vous, au fond de votre petit cœur. Qu'est-ce que la société attend de moi Qu'est-ce que ma famille attend de moi Qu'est-ce que le collectif, mes amis euh, est-ce qu'on même si je fais ça oui alors je continue mais vous vous posiez peut-être plus ou pas la question vous avez peut-être jamais posé la question de ce que vous vouliez vraiment et quand vous vouliez quelque chose vous alliez toujours demander à l'extérieur de vous la validation et en fait moi c'est un conseil de la hein. <laughs> parce que moi je l'ai fait pendant longtemps et depuis que je suis vraiment mes envies ben je sais qu'elles elles, elles elles font pas du mal à l'extérieur et elles me font du bien en gros ça va vraiment changer un peu votre paradigme vous allez vraiment euh... en fait vous allez. Je ne sais pas ce que vous allez faire après. D'où peut-être la guidance que j'aimerais bien faire plus tard. Ce qui arrive dans votre vie, ce qui est prévu pour vous. Mais en tout cas, l'univers a, a entendu vos souhaits. Et la réponse de l'univers, c'est qu'elle enlève. L'univers va enlever tout ce qui va pas, qui n'est pas fait pour vous dans votre vie. Lié vraiment aux apparences. Ça, c'est important. Ça va être vraiment quelque chose qui vous ressemble maintenant, et plus lié à ce que, à l'image que vous dégagez par rapport à ça. Waouh <laughs> Donc, euh, qu'est-ce qu'on a à côté Le bonheur. Bon bah ben voilà, elle vous ouvre la voie. Cette pleine lune, elle vous ouvre la voie vers le vrai bonheur, vers Jupiter. Jupiter, c'est la part de chance, d'expansion. Votre chance à vous. Votre bonheur, c'est pas forcément le bonheur de chacun a sa à sa, sa conception et ses envies de bonheur. Je vous donne un exemple. Par exemple, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que je peux vous donner bah, je, vais vous, je vais vous parler d'amour parce que le choix numéro un, c'était sur les relations euh, affectives et amoureuses. Je vais continuer là-dedans. Ça peut être aussi bien pour le pro que pour autre chose. Hein. Pour l'instant, moi, je ne sais pas. Je vous parle d'amour hein, parce que c'est important de parler d'amour en ce moment, tout le temps. Moi, je pourrais en parler toute la journée. Euh... Je ne sais pas, vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un et c'est vraiment aux antipodes de ce que qu'on euh, attend de vous. Ou par exemple, je ne sais pas, vos amis, votre famille vous dit Ah non, on ne sent pas cette personne Ah ouais, mais non, mais t'es es bien sûr de toi. Alors qu'au fond, de vous, vous vibrez complètement amour pour la personne. Jusqu'à maintenant, je pense que si c'est une situation amoureuse, c'est un exemple, hein, vous vous laissiez peut-être démotiver, convaincre par l'extérieur de qui était fait pour vous. Maintenant, vous savez vous savez, au fond de vous. Et, et, et en fait, ça se fait sans violence. C'est juste que tout ce qui ne correspond pas à qui vous êtes, ça s'en va. <laughs> ça s'en va. Et reste, il y a peut-être des choses qui vont rester. Reste ce qui est fait pour vous. Ou s'il n'y a rien qui reste, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est prévu pour vous. Je vous ai donné l'exemple de l'amour. Ça peut être la voie professionnelle. Ça peut être plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté Le scorpion. Et bam <laughs> ben, C'est cool, c'est la pleine lune en scorpion. Alors là, c'est clair que vous... Euh, ce qu'on enlève, c'est tout ce qui ne vous correspond pas. C'est pas plus, c'est pas. La grande question pour vous, je vais être cash, hein, mais je pense que c'est un mini paradis qui va vous faire du bien. Est-ce que vous avez réellement tenu compte de ce que vous vouliez depuis votre naissance Est-ce que vraiment, voilà, euh, oh là, parce que moi je sens que, moi je sens que vous savez au fond, vous commencez à entrevoir. Énergétiquement, qui vous êtes, ce que vous aimez, qui vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être et tout. Mais vous osiez pas jusqu'à maintenant l'assumer. Et alors là, le scorpion, là-dessus, c'est vraiment le maître mot. Je vais dû vous répéter 100 fois, mais c'est l'authenticité de votre cœur, de, de vous, le cœur de votre personnalité. Euh, L'univers du Vogue des et cette pleine lune va vous aider à, à être au clair par rapport à ça et va faire un travail de nettoyage de dingue. Ne vous accrochez pas à ce qui sort de votre vie, là, à partir de vendredi. Ou alors les faux semblants qui s'en vont, des choses radicales. Je sais pas, vous voyez quelqu'un sous un nouveau jour d'un coup. Ça peut être très positif, hein, Mais il y a aussi du très négatif. Je sens que vous, il y a peut-être des, il y a pas tout qui va partir. Mais en tout cas, ce qui vous correspond pas, les masques s'en vont autour de vous. Justement, sur les apparences autour de vous. Waouh! Ne va rester que l'authenticité dans votre vie. Bon eh ben dis donc qu'est-ce qu'on a d'autre en complément avec le tarot et puis après j'irai mettre des breloques. On a quoi Le 10 de flèche, le 10 d'épée, l'instruction. Ouais, ça vient d'une éducation, ça vient. Alors au-delà d'une éducation, euh, je pense que si l'éducation de toujours vouloir faire plaisir à tout le monde. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est quelque chose d'éducatif ou c'est comme ça que vous vous dites dans la société que ce soit au job, en amour, dans votre famille et tout, vous voulez toujours faire plaisir et vous pa faites passer votre plaisir et votre bonheur après celui des autres. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir quelqu'un d'égocentrique, hein, qui va écraser les autres. Ça veut simplement dire le 10 d'épée que ça, c'est un cycle long qui se termine. 10 d'épée, c'est un cycle où de toute façon, on ne peut pas avoir une flèche de plus dans le dos. Euh, c'est bon, ça, vous l'avez fait, c'est terminé maintenant. Vous pensez à vous. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière <laughs> J'adore. Bon, ben, on a le chariot avec l'archer. Ça va aller vite. Hein. C'est la réussite. Hein. Euh, L'arcane majeur numéro 7, le chariot, c'est la réussite. Hein. La réussite, la vitesse, la direction de vie. Hein. Il faut toujours revenir au point de départ pour re relancer. Là, en fait, on va, vous permettre et on va vous permettre de reconstruire cette tour symbolique, mais hyper rapidement. Vous n'allez pas mettre des années. En fait, ça va arriver dans votre vie parce que, vous... là, c'est un conseil que je vous dis, hein, choix numéro 2. Euh... Ce qui s'épure à partir du... à partir, j'entends à partir. Je ne sais pas pourquoi. À partir du 5 mai, ce qui va s'épurer. Ça peut être, je sais pas, moi, un contrat qui se termine, quelqu'un qui vous dit c'est terminé, des gens qui vous appellent plus, mais finalement ça vous arrange parce que vous étiez toujours dans des faux semblants, des choses comme ça. Euh, à partir de ce vendredi 5 mai et après, j'ai l'impression pour vous, les choses vont aller beaucoup plus vite si vous vous accrochez pas à ce qui s'en va, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a derrière <laughs> l'ancêtre, super. Euh, le pape, mais moi j'y vois l'ancêtre. Alors s'il y a bien, vous voyez, parce que ça c'est marrant, c'est peut-être une certaine forme d'éducation familiale aussi. Euh, un peu comme le choix numéro un. Alors vous, mes amis du choix numéro deux, je vous le dis, allez voir le choix numéro un en complément, parce que ça résonne vachement. Je le dis souvent entre vos deux choix, mais là ça résonne vachement. Il y aura peut-être des... Des choses complémentaires que vous devez entendre dans ce que j'ai transmis tout à l'heure. Euh, là, si, alors oui, là il y a une sorte de d'éducation de, de, vous êtes mis peut-être vous-même hein, de toujours faire plaisir aux autres. Qu'est-ce que pensent les autres de ça Si je me mets en couple avec cette personne, qu'est-ce qu'on va penser Si je fais un changement de carrière, qu'est-ce qu'on va penser Ça, ça se termine. Par contre, si et ça c'est quelque chose depuis longtemps. Par contre, euh, on vous conseille de faire appel à vos ancêtres, à Dieu, euh, à la prière peut-être, à la foi euh, pour vous guider vers ce qui est fait pour vous. Et pour monter cette tour, remonter cette tour rapidement vers quelque chose qui est fait pour vous. C'est trop joli. Allez voir le choix 1. Parce qu'il y a des choses qui sont complémentaires, j'en suis persuadée. Alors, petite breloque pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Il y en a une qui a sauté. Alors, on a quoi? Euh, on a quoi On a la lettre N qui avait sauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un N dans le prénom, le nom, un surnom Ça a sauté sur le mur, donc j'enlève peut-être ça. Euh, bah décidément, les cancers, il y avait beaucoup de cancers déjà dans le choix numéro 1. C'est pour ça, allez voir le choix numéro 1. On a le signe du cancer, on a la lettre L euh, à côté du bonheur, on a la lettre A. Là, à côté du collectif et des apparences, euh, on a quoi On a le chakra de la gorge. C'est par le chakra de la gorge que les choses vont se libérer. Il y a peut-être des discussions que vous, qui vont arriver à vous. Il y a peut-être des choses. Il y a de la libération. Hein. Vous allez revenir à un point de départ. Euh, on a la chance qui s'ouvre à vous avec le jade vert. Là. Avec, euh, avec la métisse, vous pouvez vraiment faire confiance à vos rêves, à, au, à la guidance de vos ancêtres qui vous connaissent mieux que personne pour vous diriger dans le bon sens vers la bonne personne, vers le bon job. Euh, on a l'automne et le printemps. Ouais, situation qui. Il euh, y a beaucoup l'automne hein, ces derniers temps, comme le choix numéro un. Et ouais, allez le voir, euh, ça se dénoue maintenant. C'est vraiment la lunaison qu'il fallait, là, en ce printemps, pour vous libérer de quelque chose. Vous allez avancer beaucoup plus vite, maintenant, avec le vélo dans une meilleure direction vers le bonheur. Euh, le dragon, c'est vous aussi qui faisiez partie un petit peu de ce dragon symbolique qui vous, vous vous permettiez pas de vous montrer tel que vous, par rapport aux autres. Il y a beaucoup, peut-être, de de, 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 timides d'enfance ou de gens qui veulent pas faire mal au cœur, mais finalement, en voulant pas faire mal au cœur aux autres, en étant trop précautionneux, trop précautionneuse, vous vous êtes fait mal au cœur à vous. J'ai l'impression que dans ce choix numéro 2, il y en a qui savent déjà ce qu'ils ou elles aiment, la personne qu'ils ou elles aiment et qui s'en se sont, sont empêchés. C'est pour ça que ça résonne avec le, le choix numéro un, j'ai l'impression. On a le verso sur euh, la fin de... Le verso, c'est ça. C'est la fin du... Pas du collectif, vous n'allez pas être seul, mais vous allez arrêter de faire en fonction du collectif. Il y a le verso. Euh, il y a une situation qui s'apaise, il y a un conflit, qui, il, y a un, il y a quelque chose qui est épuré, qui est purifié, qui est pacifié, je l'entends. En plus du vélo, vous avez le cheval au triple galop. Donc ça va, votre tour, elle va vraiment se monter rapidement. Si vous laissez aller ce qui ne doit plus faire partie de votre vie, vous n'y accrochez pas. On a la lune grillagée, ça veut dire que peut-être que les dernières lunaisons ont piqué, mais ce n'était pas pour rien, c'était pour faire ressortir tout ça. Et on a votre ange gardien qui est là pour vous protéger, bien évidemment, qui sera toujours là, que vous pouvez prier ou alors vous pouvez demander conseil. Là, aux alentours du 5 mai, n'hésitez surtout pas. Je vous fais des gros, gros bisous. Mon choix numéro 2, il était magnifique aussi votre tirage. Euh, vous pouvez liker, commenter, partager. Partage évidemment ça me fera trop plaisir c'est gratuit vous pouvez vous pouvez vous abonner à ma chaîne et ouais rejoindre ma communauté pour avoir d'autres contenus que ce que vous voyez sur le youtube classique donc pour ça vous allez sur rejoindre euh, et puis vous pouvez me demander une guidance personnalisée si vous en avez envie ça me fera plaisir je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour la flèche. La flèche évidemment qu'elle me fait penser au Sagittaire, hein, c'est le symbole du Sagittaire, mais c'est pas que ça. Hein. Il faut pas que vous soyez Sagittaire. le Sagittaire c'est relié surtout à Jupiter, hein. Jupiter la chance, l'expansion. Euh, moi ce que j'y ai vu aussi surtout comme gros symbole de cette lunaison là, de cette pleine lune en Scorpion, c'est un peu la direction de vie, la mission de vie. J'ai l'impression que cette pleine lune, elle va venir nettoyer ce qui vous empêchait jusqu'à maintenant d'être dans la direction que vous deviez être. Là, c'est comme un canal, ce que je vois, une route. Ça, vous remet, ça va peut-être vous remettre au final. Ça va peut-être vous... Je sais pas, vous enlevez d'une route et bam, ça vous met sur la vraie route. <laughs> en gros, l'univers du guide et cette planète, disent « Ah non, ça suffit, là. Il ou elle a pris de mauvais chemin, maintenant, ah on, 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 on le ou on la remet sur le bon chemin. Je <laughs> sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, hop, j'ai expliqué aux deux précédents choix, il va y avoir euh, un astre, une planète, une constellation, une maison astro, une carte complémentaire et un signe astro. On ira voir en quoi, justement, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nettoyer dans votre vie. Et avec le tarot, trois petits compléments en plus. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'irai rajouter des breloques évidemment. Alors pour vous mes amis du choix numéro 3. ah bah retour de Jupiter. Est-ce que vous aviez l'impression que la chance, euh, <laughs> la chance était plus de votre côté depuis un certain temps, que tout ce que vous faisiez, tout ce que vous vous obteniez dans votre vie, c'était toujours difficile, fallait vous battre et bah là bienvenue euh, réussir la bonne fortune, les grandes réalisations. Ok ouais c'est dans une démarche de vie là. Vous c'est clair que c'est ça mes amis du choix numéro 3. Cette lune, elle vous réaxe sur votre part de chance, votre mission de vie, clairement. Je ne peux pas mieux vous dire. Hein. Retour de Jupiter, vous avez un double Jupiter. Ça peut, ça peut aller vite en plus avec un double Jupiter, mais c'est vraiment... Euh, ça peut parler du job, hein, beaucoup. Ça peut parler de ce pourquoi vous êtes fait dans la vie, ce pourquoi votre âme vous a choisi, pourquoi elle a décidé que vous ayez une mission de vie dans sa grande mission d'âme. Grande question, pourquoi Et bien là, vous allez le savoir parce que ça va épurer tout ce qui n'est pas fait pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a eh bien, dis donc, décidément, la maison 4, celle du Cancer, elle est, ouais, elle, elle est pas ressortie puisque j'ai mis des cartes différentes. Mais le Cancer est vraiment présent euh, pour les trois choix. Hein. Euh, ce qui est normal parce que c'est un pote du Scorpion quand même. Les racines, la famille, le chez-soi. Ok. Est-ce que là, dans ce choix numéro 3, il y avait des gens qui étaient dans une dynamique Est-ce que je dois déménager Est-ce que je dois rester là Est-ce que je dois changer de poste Est-ce que je dois changer de carrière Est-ce que je dois rester dans ce que je fais Vous allez y voir beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair, ça vous vraiment hein, au niveau de vous allez savoir, ça va ça va vous remettre. Vous, vous peut-être vous étiez perdu en chemin. Vous êtes posé peut-être énormément de questions, ce qui est normal. Hein, on est humain, humaine. Toutes ces questions, elles vont avoir toutes les réponses. Vous les avez peut-être pas eues, Si vous n'avez pas eu les réponses, c'est qu'il n'y avait pas de questions, c'est que c'était pas fait pour vous. Ça vous réaxe vers quelque chose qui vous ressemble. ah Moi, j'y vois quand même parce que la maison 4, c'est les racines, mais moi, j'y vois l'âme hein, un petit peu. Euh, ouais, ce que votre âme, elle attend de vous, là, vous allez voir vachement plus clair. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière Oh, c'est beau, ça, les émotions, le, le... la sensibilité, et les rêves. On a encore le cancer, Canso... cancer, scorpion, poisson. Euh... Ça va vous redonner du tonus dans la réalisation de vos rêves. Vous c'est le chemin de vie, peut-être la carrière, peut-être vous savez euh, le chemin de vie c'est aussi déménager, vous avez toujours voulu, je sais pas, aller habiter dans un autre pays, une autre région, vous avez jamais osé, vous avez eu peur, trop de sécurité quoi. Vous aviez peur. Là, ça va vous ouvrir la voie à ça. Ça va peut-être nettoyer vos peurs, mais en tout cas, il y a quelque chose de radical qui va se passer, j'entends. Vous aurez plus le choix que de suivre la voie un petit peu du de votre cœur et de ce que vous voulez faire et être quoi. C'est le grand c'est le grand thème hein, de toute façon des trois choix mais vous c'est vraiment vers euh, vers vos rêves quoi. Ceux dont vous avez toujours rêvé, bah ben, là on va vous pousser quoi. <laughs> on va vous pousser. OK. Qu'est-ce qu'on a Le lion magnifique, royal, généreux et confiant. Le lion il prend la place hein. Moi, je le dis souvent, ça. <laughs> Parce que c'est mon ascendant et j'ai plein de trucs en lion dans mon thème. Mais euh, le lion, il ne se pose pas la question s'il y a la place pour lui. Un lion qui arrive dans une assemblée, dans une réunion, dans une pièce, euh, je ne sais pas, un repas. Le lion symboliquement, il va pas se dire oh il y a pas une petite place tu me fais une petite place ah non, non le lion il arrive et il s'assoit là où il a envie, il profite, il est il irradie de bonheur parce qu'il est bien et puis s'il y a un truc qu'il le gêne bah il s'en il s'en va ou il rugit mais en tout cas vous vous osez prendre votre place vous vous osez aller vers euh, ce que vous voulez et je pense vous choix numéro trois il y a des hésitants hésitantes mais vous savez déjà vous vous savez déjà euh, ce qui est fait pour vous ou je sais pas si on raccorde ça à l'amour, parce que je sais pas, j'ai une vibe, c'est très amour là. Euh, la personne que vous, le type de personne que vous aimez, la personne que vous aimez, ce que vous voulez faire dans la vie, là où vous voulez... Vous le savez. En fait, ça va vous redonner confiance. Et moins hésiter, même pas, vous n'allez plus hésiter, vous allez tracer vers justement votre part de chance. C'est trop trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot en supplément <laughs> Les émotions avec la lune, la lune sur l'eau. C'est beau, ça. Euh, on a la lune, hein, quand même, là, hein, dans votre tirage. Cette lune, elle va appuyer sur... Euh, c'est normal, hein, je vous disais en intro, le scorpion, c'est un signe d'eau lié quand même aux émotions enfouies, à des choses qu'on ressent. Des choses qu'on ressent. Ça va vous faire ressortir des sentiments. Alors, peut-être pour quelqu'un... Hein? Oh, je l'entends aussi. Hein? Ouais. J'y ai mis de l'amour, mais ouais, ouais. Parce que la mission de vie peut être en lien avec quelqu'un qui fait partie de votre mission de vie, qui... Vous savez, moi je le vois en consultation, hein. des fois, euh, on se pose toujours la question de ah, qui est mon âme sœur et tout ça, c'est super, c'est normal, c'est louable et ça je comprends. Mais il y a aussi qui, qui doit partager avec moi ma mission de vie. Parce qu'on pense toujours qu'on a une mission de vie seule. Mais pas forcément. <laughs> et là, c'est ce que j'entends. C'est beau ça. Il y a une personne. Soit qui va apparaître, j'entends, et vous allez me dire à partir de la lune, te... c'est voilà, un super support pour moi, mais ça va mettre au clair, ça va mettre en lumière, ça va enlever les doutes sur. Euh... Alors, peut-être soit des associations professionnelles, hein, j'y reviens pour ceux qui veulent vraiment du pro, mais je pense qu'il y a aussi des associations émotives, sentimentales, amoureuses, euh... ouais, en lien avec les émotions. Vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez assumer certaines choses. Qu'est-ce qu'on a à côté Le cadre de pierre, ouais. 4 de Pentacle, pour l'instant ça vous paralysait vous étiez paralysé à l'idée soit de déménager symboliquement de partir de franchir un cap de passer un cap avec quelqu'un de passer un cap professionnel de je sais pas vous avez toujours été salarié et puis vous voulez monter une entreprise euh, vous avez euh, je sais pas vous aimez quelqu'un mais vous l'assumez pas pouf alors là c'est beaucoup plus clair vous assumez vos émotions vous pouvez plus faire semblant De toute façon c'est clair qu'est-ce qu'on a à côté le roi de bâton, bah c'est bien ça. Ça va très bien avec le lion, avec l'archétype de la vipère. Vous allez prendre votre place en fait, la place qui vous incombe. Vous allez la prendre. Vous allez enfin assumer votre mission sur cette terre. Vous allez enfin assumer parce que votre mission, elle est en lien avec ce que vous ressentez. Vous allez enfin assumer ce que vous ressentez dans un premier temps, parce que je pense que cette pleine lune à vous, c'est les doutes qu'elle enlève. Elle enlève tous les faux semblants, les doutes, les complications. Les complications que vous-même vous avez mis en place, j'ai l'impression, pour ne pas aller vers quelque chose ou quelqu'un. Vous avez mis en place peut-être des stratagèmes hein, inconscients pour euh, que, justement, il se soit toujours euh, compliqué. Ben là, ça va vous enlever le compliqué, vous allez voir les choses et ça va filer. Vous allez avoir vachement plus confiance en vous vous avez vous allez avoir là ça peut être sur le professionnel aussi la carrière envie de de prendre des responsabilités dans votre job ou alors de monter une boîte ou de d'assumer ce que vous voulez faire maintenant de prendre votre place peut-être dans votre famille aussi il y, a, il y a plein de choses mais vous c'est le leadership vous reprenez du leadership que vous avez naturellement et que vous n'avez jamais osé exploiter j'ai l'impression oh, c'est beau j'adore alors Qu'est-ce qu'on a avec mes breloques et mes lolocs Dis donc, votre tirage il est vachement fluide vous, hein Il va vachement rapidement parce que je pense que vous aussi les trois ça va se passer rapidement, hein, je pense. Alors qu'est-ce qu'on a Ouh là, vous avez de la breloque vous, hein là là il <laughs> y en a plein. Alors il y a le G qui est sorti du cadre. Hop, j'enlève. Vous en déduisez ce que vous voulez. Et puis même par terre, tiens. Euh, qu'est-ce qu'on a Alors on a euh, le Z ou on a le N Non, c'est le Z. On a le Z sur le double Jupiter. Est-ce que c'est le nom d'une boîte, le nom d'un pays, le nom de quelque chose? Euh, on a la lettre G qui est là. Alors attendez, je regarde les lettres. On a le G et on n'a pas d'autres lettres. Donc le G qui est en dessous de, qui est au niveau de, de la famille. Génial. Le chakra du plexus solaire, votre confiance en vous, le fait d'irradier, de prendre votre place. Vous, c'est de la confiance en vous, hein. Ça va, ça va enlever vos doutes. Je peux pas mieux vous dire. On a quoi? <laughs> c'est Génial. On a la tour Eiffel. Alors, ça, ça peut être une synchronicité sur Paris, bien évidemment, mais la tour Eiffel à côté de l'arbre, c'est que justement, vous évoluez au sein de votre famille. Vous prenez votre place, celle que vous osez pas prendre depuis longtemps. Euh, avec le singe, c'est que vous êtes malin, dans le bon sens. Malin comme un singe. Vous allez le faire avec beaucoup d'humour, mais là, vous pouvez plus passer à côté, j'adore. Vous avez le double, la double épée. Ah, bah ben là, c'est clair que ça va trancher, quoi. De toute façon, vous, ça va trancher sur les doutes et après, vous n'aurez plus, j'entends, ça va piquer là. Vous n'aurez plus aucune excuse de ne pas faire. Aimer ou être ce que vous souhaitez quoi. On a la flèche du Sagittaire de Jupiter qui est à nouveau là. Donc là c'est vraiment de vous allez vers l'expansion, vers la chance. Vous aurez plus d'arguments pour dire par exemple en prière oh non mais ça fonctionne pas ou non il n'y aura plus toutes les difficultés elles vont s'en aller. On a quoi On a le signe du Taureau. On a ou la double machine à couture. Donc là ça peut être vraiment sur le job et la carrière et le professionnel. Hein. Là clairement on a l'élévation avec le cintre. Ok, donc vous vous élevez même socialement, même dans le boulot. J'ai l'impression que vous prenez d'autres responsabilités. Euh, le dragon qui est à côté, bah, il s'en va. <laughs> le, en fait, le dragon, ça peut être vous aussi hein, à avoir mis. Je, je sens que vous avez peut-être compliqué certaines choses, mais maintenant c'est bon, on vous les efface vos complications. Euh, le petit charou, il est malin, il est libre de faire et d'aimer et d'être qui il veut. Ça c'est important. Le chakra de la gorge, il y a des discussions qui vont éclore suite à cette pleine lune. Peut-être ce jour-là, les jours d'après. J'entends. Euh, vous allez recevoir des cadeaux, ne les refusez pas. Maintenant, vous ne dites plus non, mais je ne peux pas, mais non. Il y a une discussion peut-être qui va être un cadeau, un cadeau du ciel. Quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit quelque chose. Ne refusez pas ce cadeau. Ne, ne bottez pas en touche, j'ai l'impression. Acceptez ce cadeau. On a quoi On a la petite fée qui veille sur vous depuis votre enfance, qui sait par ce quoi vous êtes passé, et c ça n'a pas été compliqué, mais qui dit non, maintenant on t'enlève tout ce qui est compliqué, donc tu n'as plus de raison de plus être heureux ou heureuse, d'aller vers ce qui est fait pour toi ou la, la personne ou le job. On a quoi <laughs> On a moi. <laughs> J'aime bien moi. Euh, on a moi, voilà, c'est la breloque. Alors si vous avez besoin d'une guidance perso, vous n'hésitez surtout pas suite à cette guidance, hein, ça peut être un petit signe, ou peut-être que je vous ai déjà fait une guidance perso, je sais pas. Est-ce que je dois prendre cette guidance pour moi, peut-être, parce que ça c'est vraiment ma breloque à moi. On a en plus on a ma boucle d'oreille, on a euh, des synchronicités. Le jour, alors les jours avant la pleine lune, le, le jour de la pleine lune, après, vous vous aurez plein de signes de l'univers. Qui vont vous prévenir de ce qui va se passer, je vous le dis. On a encore une fois le chakra de la parole, le, le besoin, la nécessité de communiquer aux, alen aux alentours de ce jour-là. C'est votre âme qui vous influe, qui, qui vous influe la nécessité de communiquer. Ça c'est très important. Et on a quoi On a le petit jade vert qui, qui symbolise votre part de chance et on a une nouvelle fois la feuille d'automne. Dis donc l'automne, il nous aura piqué dans toutes les dernières guidances de lune. Hein. Mais là, je pense que c'est fini. Tout ce qui était difficile depuis l'automne, c'est terminé. Je crois que cette pleine lune en scorpion, elle vient tout dératiser. Et en plus, le scorpion, c'est un signe d'automne, donc c'est peut-être euh, un prêté en automne pour un rendu maintenant. <laughs> je vous fais des gros bisous, mes amis, du chat numéro 3. Dis donc il était chouette aussi. Hein. Vous pouvez aller voir les autres, moi j'ai l'impression. Aujourd'hui, les liens, il y, y a du lien entre tout. J'aurais pu faire une grosse guidance de 45 minutes. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté pour avoir accès à d'autres euh, d'autres guidances que vous voyez pas sur le YouTube classique et puis vous pouvez aussi me demander une guidance perso par mail, gmail.com. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.